Salut tout le monde! Aujourd'hui, je vais vous parler de camouflage. C'est un autre jeu de Smart Game. Dans le fond, ils font surtout des jeux de challenge personnel. Donc, c'est un jeu individuel avec une série de challenges. Je vous montre ça tout de suite, puis je vous dis ce que j'en pense après. Alors, le jeu de camouflage vient avec un petit livret de 48 challenges et 6 tuiles qui ont un sens, en fait. Donc, les tuiles, on ne peut pas les tourner, ils doivent rester comme ceci. Donc, on va prendre le challenge numéro 1. Il faut se rappeler qu'on a toutes les solutions ici. On ne va pas les regarder maintenant. Donc, tous les starters qu'on appelle vont avoir un aide ici. Donc, on voit le contour de la pièce. Le but du jeu, c'est de placer les 6 pièces sur le plateau et ce, en respectant quelques règles. Donc, l'ours polaire doit toujours être sur une banquise, le poisson ou la baleine doit toujours être dans l'eau et évidemment, on ne doit pas poser un ours polaire sur un esquimau ou une baleine sur un esquimau en kayak. Alors, on essaie comme ceci. Disons, non pas celui-ci. Disons comme ceci. Voilà. Voilà. Et voilà. Donc, j'ai réussi le premier challenge. Et je vais vérifier dans mon petit guide. Et c'est bien ça que j'ai fait. Donc, tout est beau. Je peux maintenant passer au challenge numéro 2. En fait, si je veux vous montrer des challenges plus complexes, dès qu'on passe à la catégorie junior, à ce moment-là, on n'a plus d'aide, on n'a plus de guide et on doit réaliser par nous-mêmes le challenge. Alors, j'aime beaucoup toujours ce que Smart Game y font. Dans cette petite version-là, donc ça vient dans une boîte, donc c'est très très le fun où est-ce que toutes nos composantes sont bien rangées et que tout fonctionne très très bien. Donc ça, c'est un côté positif, je crois, pour Smart Game. J'ai beaucoup aimé la thématique, en fait, puis aussi le fait qu'on ne peut pas retourner les pièces. J'ai beaucoup aimé la qualité des pièces, donc un plastique très très solide. Et pour une fois, j'ai réussi à faire plusieurs des challenges. Moi, les challenges, c'est pas mon fort. Habituellement, j'ai de la difficulté à faire ce genre de jeu-là. Je me suis rendue très, très loin. Ça a été agréable. Donc, je pense que camouflage, c'est parfait pour nos plus jeunes parce qu'ils peuvent avancer tranquillement avec ce jeu-là et aller vers des challenges de plus en plus compliqués. Donc, moi, j'ai beaucoup aimé ça. Le fait qu'on a certaines règles qu'il faut respecter, donc l'ours polaire sur une banquise, les poissons dans l'eau et il ne faut pas mettre un des deux éléments sur un esquimau. J'ai trouvé ça très, très intéressant. Moi, camouflage, je le recommanderais. Donc, essayez-le!